Le diplôme niveau Bac plus 5 a-t-il le grade de master? Alors, programme IDEA, c'est pas master IDEA. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est pour obtenir le grade de master, en fait, un programme se doit d'avoir une certaine ancienneté. Et il y a plusieurs indicateurs qu'on va regarder, donc le niveau de notes des étudiants, on va avoir le taux d'absentéisme. Après, il y a plein d'autres indicateurs qui vont avec, également le taux de placement des étudiants dans des entreprises. Et vu que le programme, comme l'a dit Sébastien, est né en 2011, il est en train. Il y a une commission qui sera en Ok, donc mars la grille, prochain ça pour. va venir. Ouais, Ça va venir, ouais. ce sera pour quand? Je veux dire concrètement, je veux dire si Bah, j'arrive. l'application est en cours, hein, donc on ne peut pas savoir exactement le délai administratif pour justement avoir Est-ce que ça ce. sert à être rétroactif ou pas? Je veux dire, si je postule maintenant pour le programme IDEA, je rentre dedans pour l'année prochaine. Si c'est seulement dans 3 ans qu'il y a le grade master, est-ce que je vais avoir le grade master ou pas? Bah, vu que maintenant le programme commence à avoir un modèle qui est assez efficace, qui est assez prouvé, le programme n'est plus amené à changer. Ça pourrait ne pas être rétroactif si ça changeait de visage tous les ans. Ok. Et donc là, concrètement, prochaine commission mars prochain pour le visa, qui est la première étape avant d'obtenir un grade de master. Je veux dire, globalement, vous allez l'avoir ou pas? Avec UM Lyon, Business School et Centrale Je Lyon, on pense a qu'on toutes les l'aura. cartes en jeu Ouais. pour l'avoir. Donc, a priori, si je postule. Donc, de toute façon, au mois de mars, j'imagine que si vous l'avez, vous le mettrez sur le site, etc. Je veux Tout dire, à fait, tout à avec fait. les Donc, trompettes et tout. Hein, donc, complètement, complètement. ok, donc, ok, très très bien. Concrètement, ça change quoi d'avoir un master par rapport à un programme? Parce qu'au final, je me dis que voilà, pour ce genre de job, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un master? Est-ce qu'ils ont besoin du titre, du diplôme? Je veux dire, est-ce que c'est un point qui est important ou pas? Alors, il y a deux niveaux, c'est important. Le premier point, c'est un niveau de reconnaissance qui a testé, un certain niveau d'excellence, qui veut dire que le programme a répondu à certains critères du gouvernement et qu'il peut se targuer justement d'être au même niveau que d'autres écoles, qui Enfin, permet. UM Lyon, Centrale Lyon, je veux dire, a priori, de toute façon, c'est là, quoi. Voilà, déjà à partir du moment où il y a écrit sur le diplôme EM Lyon Business School et Centrale Lyon, enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a rassuré quand on m'a dit qu'il n'y avait pas encore le grade de master. Ok, donc toi, t'étais pas inquiet sur le fait qu'il n'y avait pas de grade. Non. D'ailleurs, toi, t'avais déjà un master avant? Non, moi j'avais un Bachelor of Business Administration que j'ai passé au Royaume-Uni, donc grosso modo c'est de la gestion du management. Bien, alors on va parler des profils aussi pour savoir un petit peu qui c'est que vous acceptez. Oui, Dernier non, mot. c'était pour ajouter effectivement après aussi l'important d'avoir ce grade de master. C'est aussi pour rassurer le monde des entreprises, sachant qu'effectivement la méthodologie et la pédagogie étant expérientielles sur une nouvelle façon d'innover, donc le fait d'avoir une reconnaissance, on va dire, étatique, permet justement un meilleur développement et une meilleure reconnaissance des étudiants, quoi.